Bonjour les petites et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. Quelle vidéo? Ce sera un book haul de mes achats de janvier-février. Je pensais pas que j'avais autant de livres en fait. Ah oui, j'en ai encore que j'ai pas pris. Mais je sais même pas si je les ai déjà montrés en fait. Je sais qu'il y a certains que je les ai montrés dans un vlog. Mais... Tant pis, je vous les montre ici quand même. Voilà, du coup, on va commencer. Mais je pense que je vais aller chercher les deux qui me manquent. Je viens de revoir que j'en manquais deux. J'arrive. Voilà, j'ai tous mes livres. Du coup, je vais vous présenter tout ça. Je vais commencer par le premier que j'ai déjà lu, qui est Love... j'ai des coups. Love and Lingerie. De chez Alexandra Thor, chez Hugo Roman, ouais, Roman, dans la, non, collection Nous Roman, je sais plus parler, ça m'a plus allé aujourd'hui, pourtant j'ai quand même pas mal de livres, dans la collection, attends, c'est Hugo Poche, dans la collection Nous Roman, voilà, il est lu, j'ai bien aimé, je lui ai mis un 4,5 je crois, sur 10, sur 5, du coup voilà, je vais pas me... parler plus, vous n'avez qu'à aller voir mes book, mes vlogs du 5, j'essaierai de les mettre en fin de vidéo, je crois que c'est le 5, c'est le 6-5 que j'en parle dedans, et dans le dans celui-ci qui va paraître samedi 20, on sera combien samedi 27, voilà. Après, je me suis procuré celui-ci qui est de chez Belgique Loisirs. C'est l'abonnement, tu es obligé d'aller chercher un livre par enfin tous les 3 mois. Du coup, j'ai pris la vieille qui casse la baraque. La baraque. Baraque. Ouais, c'est ça. Chez Piment de Anna-Lisa Berni. En lisant le résumé dans le catalogue qu'on reçoit tous les 3 mois, il me plaisait bien. Je ne l'ai pas encore lu. Mon papa aussi l'a acheté. Je pensais essayer de le lire avec lui. Voilà. Je vais pas vous en parler trop parce que j'ai envie de me plonger dedans. C'est juste que c'est écrit quand même assez. Et seul truc qui me fait chier, c'est là. Je sais pas si vous allez voir. Bon, on pète les dos de ces livres-là. Voilà. Du coup, j'ai envie de me plonger dedans sans savoir. Je vais les mettre derrière parce que là, vous voyez pas, il y a 2 piles. Hein. Après, j'ai pris celui-ci. J'aimais bien les petits canards. Du coup, c'est la bande des vilains petits canards dans Antoine Solène chez Belgique Loisirs. Voilà. Celui-là non plus, je ne sais plus de quoi ça parle. Mais j'ai envie de me plonger aussi. Ça me fait bizarre le livre carré comme ça. C'est un carré à la place d'un... Allez, je vais vous montrer la différence. Il est plus carré qu'un livre normal. Voilà. Vous voyez. Il est plus carré. Lui aussi, il me tentait bien. Depuis que sa petite amie a quitté Florence, déprime, désespérée, et ne sait pas travailler à Paul, en poids qui semble pouvoir lui donner le sourire. Un jour, ennemi comme un autre, il voit soudain débarquer comme son agent pirate de bande, énormément au faux des couleurs, 5 hommes et 2 femmes, toutes de cuir vêtu et recouverts de tatouages, les ennemis inséparables de Biquette, la passion, ils viennent de perdre leur emploi comme beaucoup d'autres dans la région, leur usine a fermé. Du coup, ça me tentait bien. J'ai pas lu tout. Il y a encore un petit résumé là. Mais j'ai pas voulu tout lire. Voilà. J'ai envie de me plonger. Ça parle d'emploi. Pourquoi pas. Après, je me suis procuré celui-ci que je suis triste. Vous l'avez pas encore vu. Mais je l'ai en double. Du coup, je pense... Je vais réfléchir à ça. Est-ce que je fais un concours sur mon Facebook? Enfin... ici sur YouTube ou sur Insta, on verra bien. Du coup, c'est Flange Goal, je sais pas comment ça se dit, de Fleur Anna de chez Hugo Poche, la collection Nous Romaine.
La couverture est très belle. J'aime bien le petit garçon dessus. Il me tentait bien. Je ne sais plus quoi ça parle. Et les New Romans, à l'onde de me connaître, j'adore la couverture. Enfin, ça donne bien. J'ai mis une partie là, je ne sais pas si vous allez voir. Là, et ça donne super bien les couleurs. Bon, j'ai pas encore su. Là, c'est mes Disney. Là, c'est d'autres trucs. Je voudrais bien finir d'arranger. Voilà, mais ils sont trop, trop, trop beaux. Ah oui, il y avait un autre que j'ai oublié de vous montrer. Du coup, celui-là, je ne sais plus d'autres non plus. Ça parle. J'ai tellement de livres que à vous présenter. Du coup, ça ne changera pas le truc. Non, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. J'avais pris un, mais il est où? J'avais pris. Ah, ben il est là. Il me semble bien. Je vais vous montrer. Il y avait un manga que j'avais pris, mais que j'avais mis là. Parce que c'est ma liste de mangas là. Voilà. Du coup, je vais vous le montrer tout de suite. C'est La Gameuse et son chat chez Doki Doki. Et le nom, c'est Watakru Nadiski. Ouais, il est trop beau. J'aime bien les livres qu'on parle de chat. Je ne l'ai pas encore lu. J'avais envie de commencer. Même la couverture de derrière. Il a l'air pas mal. Je vais lire le petit texte que j'ai là. Jouer à un jeu, c'est toujours fun. Mais avec son chaton, c'est encore plus fun. Voilà. C'est ça qui me tentait bien. Moi aussi, ce qui va se passer. Comme mon chéri est gamer, il joue tout le temps. Et qu'on a deux chats. Ben voilà, je voulais me le découvrir. Après, je me suis pris une série. J'ai pris Beke, Gueule. Le tome 1 et tome 2 qui sont réunis. Moi, j'avais le tome 1 et 2 séparés en petit format. Mais je vais les vendre. Parce que ça vaut le coup. Celui-ci vaut 7,80€ et que un seul vaut 7,80€. Du coup, ça vaut la peine de prendre en duo. Voilà, et je me suis pris le tome 3 et 4. Voilà, aussi. Du coup, j'ai pris les deux. Au même prix, quoi. Ah non, celui-ci était un peu plus cher. 8,50. Voilà, après, je me suis pris un livre non édité. C'est comme ça qu'on dit édité. Je ne sais plus. Qui est pas édité, c'est ça, je crois. Ouais, c'est comme ça. C'est Love Stock de Marie Agi. Nouvelle édition. Tome 1, c'est Brocan. Voilà, il est trop beau aussi. J'avais lu aussi, il y a 6 tomes, si je dis pas de bêtises. Le seul truc que j'ai un peu du mal, c'est que les pages sont fort, fort, fort blanches. Voilà. Mais au moment, il a l'air vraiment pas mal. Je ne sais plus. Je veux dire la petite phrase là. Elle savait même pas qu'elle a. Était dans. Attends. Ne savait même pas qu'elle avait des rêves jusque-là. Ouais. Et la petite phrase, la petite question, c'est entre la raison et la passion, arrivera-t-elle à choisir? La raison ou la passion? Ça, c'est le top. Alors, celui-là, c'est depuis un moment, je me l'ai. Je me suis pris l'after 2 du film. Je ne l'ai pas encore commencé. Pourtant, quand je l'ai eu, j'avais envie de le commencer. C'est une petite bricasse quand même. Je ne sais plus combien de pages il fait. Oui, ouais, pour 700 pages presque. Du coup, voilà, j'avais envie de me plonger dedans. Sauf que moi, oh, mais je l'ai plus là, je crois. J'ai le tome 1 en poche. Du coup, je me dis merde quoi. Je pensais que c'était en poche, mais voilà. Je suis un peu déçue en même temps. Là, il était déchiré. Du coup, ah oui, je vous ai pas dit, c'est de Anna Tok. De chez Hugo Roman dans la collection New Romaine et l'after saison 2. Voilà, et on voit là celle qui écrit le livre. Du coup, voilà, j'ai envie. Je crois qu'il va pas traîner, mais je pense qu'il va plus aller cet été. L'autre, je crois que j'avais lu en été. Du coup, je pense que je vais faire la même chose. Après, j'avais pris celui-ci qui me plaisait bien aussi. Ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist. Baby Darling Secret de Mark Mallory Blackem chez le livre de poche jeunesse dans la collection jeunesse.
Voilà, c'est Dan. Attend le résultat de son examen. Le coursier lui ouvre un coursier qui ouvrira la porte de l'université et son futur, sa future vie. Donc, celle dont il a toujours rêvé, mais quand la sonnette enfin à la porte, quand on sonne à la porte enfin, ce n'est pas le facteur, mais Mélissa, son ex-copine, donc il n'est pas, n'a plus entendu parler depuis des mois avant, avec un bébé, le sien. Être père à 18 ans, il y a de quoi pleurer, mais le garçon ne pleure jamais. Voilà, ça me tentait bien. Je l'avais vu aussi passer celui-ci. C'est écrit assez petit, je pense, je trouve. Du coup, voilà. Et j'aime bien aussi la là, on voit le petit biberon dans sa poche. Voilà. Ça aussi, je pense qu'il va pas. J'aimerais bien tout lire, mais ce problème, c'est que je n'arrive pas. Ah oui, il est là. Je cherchais un livre, mais il est là, dans ma patte. Du coup, je me suis pris aussi Pourquoi pas nous? Par les auteurs de Love Simon et il est meuré tous les deux à la fin de Barladermani et Adam Silvers. Par contre, aux éditions, je ne sais pas. Ah, Hachette roman. Voilà. Si je me rappelle bien, c'est un MM. Je sais plus, j'ai pas envie de relire la couverture. Et si Arthur avait raison, si l'université savait déjà qu'il aimerait, qu'il leur laisserait une seconde chance. C'est un MM, je crois qu'il y en a un qui va arriver dans le lycée et ils vont avoir un truc ensemble, un truc comme ça, quoi. Celui aussi me fait très envie. Il y a l'autre que je vous montrerai plus tard aussi. Du coup, je vais vous montrer d'abord celui-là. Je vous montrerai les deux après. Ma pire ennemie de Tara John. J'envoie à tout le monde le lire chez Hugo Poche dans la collection New Romaine. C'est toujours la collection romaine souvent que je prends. La petite phrase, c'est Et si la vérité était pire que du mensonge? Il me tentait bien, j'en ai tellement entendu parler que. Et la couverture, j'adore les petites fleurs roses comme ça. C'est trop. Happy, happy. Voilà. Je ne sais pas quand il va me le faire celui-là, mais j'ai tellement de trucs que j'ai envie de lire. Après, je me suis pris deux livres de la même série. C'est Les Gardiens des Cités Perdues. Le top 1. De Sonon. Sanon. Je sais pas comment ça se dit. Messenger de chez Pika-J, le tome 1 et le tome 2. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas les prendre en poche. Voilà. J'aimerais bien me les faire aussi. Parce qu'il y en a, je sais plus combien il y en a déjà de ces tomes. Mais voilà. Après, je vais faire celui-là. Celui-là qui me donne très envie pour le moment. C'est Un palais d'épines et de roses de la Martinière Jeunesse, dans la fiction, série fiction, je crois, de Sarah J. Maas. Pour le moment, il y a tout le monde qui relit parce que logiquement, il y a le tome 4 qui ressort. Mais je crois qu'il sort en anglais, c'est ça que. Parce que c'est beaucoup enfin, de personnes qui lisent en anglais que je regarde. Mais il est vraiment shiny. Il est très beau. C'est un peu une réécriture des contes Disney. Celui-ci, je crois qu'il reprend un peu Belle et la Bête. Mais c'est un peu différemment écrit dedans. Et voilà, je ne sais pas. Pas plus. Et j'en veux pas en savoir plus. Après, il y a mes trois pépites. Deux, surtout. Mais celui-là aussi me tentait bien. J'ai pris Les poids des sentiments de Anger Walker. Je sais pas comment ça se prononce. Chez la RB. C'est Martinière Romance MM. C'est une romance MM. Si je me dis pas de bêtises. Lui,
Il est assez portant. Il est en couple avec un garçon. Le garçon en a marre de sa corpulence, comme on va dire. Et va le quitter. Et c'est pour ça qu'il faut que je lise pas. Il faut pas que je traîne. Je crois qu'il va lire après. Ma dernière lecture. Bon. Et du coup, son copain va le quitter. Il va se retrouver célibataire. Et il a un déclic dans sa tête. Il s'est dit, allez, on va essayer de récupérer son chéri. Du coup, il va aller à la salle de sport avec lui. C'est lui, son entraîneur. Mais je crois que il va avoir un truc avec son entraîneur. Du coup, voilà. Et c'est écrit assez gros et je pense que ça peut aller assez vite. Je ne sais pas combien de pages il fait. Oh, 372 pages. Je pense que ça peut aller vite. Oh, une semaine, il peut être bouclé. Après, ça, c'est deux livres qui m'ont séduit, mais à cause de quelqu'un que je regarde. Voilà. Du coup, j'ai pris. Enfin, celui-ci vient de sortir. C'est Sandrine. Cendrillon 2.0, il était une fac-ci-ci-ci de chez Lumen de Alectech. Voilà son nom. Il est très beau. Je suis pas trop fan de la couverture. Du coup, c'est une écriture de Cendrillon de chez nous, enfin de notre époque. Il était une fois. Il était une fois, excusez-moi, la plus grande, la plus geek des Cendrillons. Voilà, je ne sais pas plus. Je crois qu'il y a même des petites illustrations. Non, ah non, c'est des pages. Regardez, c'est pas. Voilà, il y a du. Il peut aller aussi vite comme ça. Regardez, il y a même du texte GSM. Ouais. Voilà. Mais j'ai vu qu'il y en a une qui l'a laissé tombé avec le reflet de la fenêtre. Faudrait que j'aille voir, lui demander pourquoi elle a laissé tomber. Parce que voilà, j'attendais son avis, mais elle a laissé tomber. Elle a laissé tomber, du coup, ça me fait un peu peur. Et pour le dernier bouquin, c'est une pépite, c'est une jolie truc, c'est un joli livre. C'est Rose éternelle de Ophélie Douchemin. Chez Plume Blanche édition. Alors, regardez cette bouquin, ces détails. Voilà. Mais comme je dis encore une fois, Plume Blanche, ils font des magnifiques couvertures. Du coup, ici, ça va être une réécriture de La Bête et la Belle. Par contre, celui-là, je ne sais plus. Je l'avais. Ça fait un moment. C'était de l'année passée, je crois que j'avais entendu parler. Il faisait peur parce que c'est à 20 euros. Voilà, 20 euros pour ça. Mais il est tellement beau. Regardez, bien sûr, je ne prends pas la bonne page. Regardez les débuts de chapitre. Et alors, sur toutes les pages, il y a des petits petites fleurs au numéro de page. Vous avez les chapitres. Vous avez. Bien sûr, c'est toujours au chapitre que j'arrive. Quand il sépare les chapitres, vous avez des petits ronces là. Et c'est trop beau. Le papier est grisé. Enfin, je sais pas comment dire. Il n'est pas blanc, mais il est grisé, comme ça qu'on peut dire. Il est beige, quoi. Et regardez. Il est trop beau. Voilà. Et du coup, voilà ce que le destin a guidé les pas de Mélina. Au pied de la mairie, la Mérilara, le mystérieux harpe couvert de roses, protégé et garde d'une famille royale déchue. Dans l'ombre robe de la bête monstrueuse et redoutable que Mélina devra prouvé pour sauver les siens. Il restera un prédateur dangereux. Sauvé, il était aussi autre chose, quelque chose d'indéfinissable. Voilà.
Voilà, j'ai un peu mal à la gorge. Enfin, pas mal à la gorge, mais le nez encombré, du coup, ça tombe un peu dans la gorge. J'espère que ça tombera pas trop bas. Voilà pour ce roman. Voilà pour ce petit book haul du mois de janvier et février. Vous voyez, j'ai quand même un peu trop craqué. Voilà. Plus les livres que j'ai dans le box. Ça fait beaucoup de lecture. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'arrive pas à me choisir ma lecture en plus. Voilà. Sur ce, j'espère que ce petit book haul vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Il y a Instagram, il y a Discord si vous voulez me rejoindre et parler avec moi. Il y a. Qu'est-ce que j'ai encore mis? Instagram, je crois qu'il y a Facebook aussi maintenant que j'ai mis. Allez-y, venez me discuter avec moi de plusieurs lectures, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je dis bye bye!